Elle est bien, la bande-annonce. Merci. Non, c'est vrai. Parce que j'ai vu le film et souvent, les bandes-annonces ne donnent pas envie d'aller voir le film, mais ça donne assez envie, je trouve. Alors, vous avez travaillé le port de tête, hein, vous. Ouais. Hein? Ouais, le personnage se tient plus droit que moi, ouais. Ouais. Avec un coach? J'ai travaillé avec un coach, ouais, mais c'était pas vraiment pour ça. C'est plus parce que le personnage, il est très animal, quoi. Elle est bien dans son corps et très tendue, quoi. Il y a une tension permanente. Et puis le tournage était très difficile, quoi. On tournait beaucoup de nuits et pendant 2 mois, j'étais là tout le temps. Et je voulais pas être une patate, quoi. Je voulais être bien. Vous avez continué à faire du sport après? Non, j'ai arrêté. Non. Mais si tu veux, on fera un foot ensemble, Thierry. Ah. On fera du sport. Alors vous avez observé, Nicolas, la façon, dites-vous, dont les gens se tiennent dans ce milieu, leur façon de parler? Ouais, en traînant dans les bars du 8e, en fait. Ouais. Et puis les boîtes, quoi. Voilà. Vous avez beaucoup traîné dans les boîtes pour préparer le film, ouais. Ouais, ouais. Grosse préparation. Grosse prépa. C'est terrible, tu sais, comme un boulot. Hein, ça se voit tout de suite. Hein. Ouais. Moi, je l'ai croisé deux, trois fois dans les bars, je dis, ce mec-là, il bosse. Il était tellement concentré, toi. Je voyais. C'est quoi l'endroit que vous avez préféré, alors? Le Baron. Ah ouais? Ouais. C'est l'endroit où on s'amuse le plus pour vous? Ouais, c'était pas mal. Où il y a les plus belles filles? Je vais pas dire ça, sinon je vais me faire engueuler, mais... Pourquoi? Ah oui, ouais. La Ludivine. Ouais, elle regarde, là. Peut-être pas. Ouais. Peut-être pas, peut-être elle est sur notre chaîne, vas-y, balance. C'est lequel l'endroit où il y a le plus de pétasses au mètre carré? À Paris ici, tu veux dire? Le Baron. Le Baron aussi. VIP. Oui. Il y a un endroit où vous êtes retourné? Matisse. Ah, Matisse, t'es retourné, t'as bien raison. Ouais. Et toi? L'endroit de quoi? Ce que je préfère? De quoi? Et tu parles, toi? Mais on a... Non. T'es un bouffon, toi. C'est un rôle de composition, tu vois. Ah, bah oui. Hein? Ouais. Ouais, la pétasse friquée du sel, c'est un rôle de composition. Mais c'est pas une pétasse, parce que c'est un peu, tu vois, facile de dire ça. Ouais. C'est vrai qu'a priori, ces jeunes, enfin, ils sont riches, on se dit de quoi ils se plaignent. Ouais. Mais en fait, c'est terrible leur vie. Mais il y a autre chose que le matériel, quoi. Il y a autre chose que le fric. Mmh. Bah, ils s'en rendent compte, là, un peu, quand même, à la fin. Ouais. Mmh. Alors, ça marche bien, quand même, pour toi. Hein. Alhamdoulilah. Non, mais c'est vrai. Tu viens de faire un film avec Juliette Binoche, John Turturro et Nick Nolte, c'est pas mal quand même. Ouais, ils sont super. Ouais. Ouais. Ils sont super. Bah c'est vrai. Ouais. Mmh. Tu t'es bien entendu avec eux? Très bien. Mmh. Et puis tu tournes dans Le Parfum aussi de Tom Tyler. Enfin c'est bien, t'es une... Ouais, je me fais zigouiller dans le film. Au bout de combien de temps? Au bout de 2 secondes. Un tout petit rôle. Et en mars, t'as un projet en anglais en plus là qui va commencer, non? Tout Mais en tu anglais. Tu sais tout? Bah oui, je sais tout, tu sais bien. J'aime bien qu'on dise ça. Bah oui. Ah. J'adore. Je sais. Ouais. Donc, j'ai aussi une coach d'anglais. On va se faire zigouiller en anglais. T'as que des coachs dans tous les sens, quoi. Bah, c'est bien de travailler. Ouais. Mm. Et là, ton petit haut, c'est ton... T'as un conseiller pour les fringues et maintenant. Ouais. C'est pas mal, hein. Merci. T'as changé depuis que t'as tout ce succès? C'est-à-dire? Je sais pas, t'as quitté l'appartement de Doménil là-bas? Mais non, je suis chez ma maman. T'es toujours avec ta mère à Doménil, dans le 12e. Mais comment tu sais? Toi, comment tu sais que Doménil c'est dans le 12e? Comment tu fais pour savoir ça? Il est trop fort. T'as un plan de Paris ou quoi? Ouais. T'es toujours là-bas? Ouais, je suis là-bas. T'as changé de mec? J'avais pas de mec. Et t'en as maintenant? Non plus. Non, arrête. Arrête tes conneries, ça. Pourquoi? Chez sa mère, c'est pas facile non plus. C'est vrai. L'après-midi? Non. T'as toujours pas de mec? Non. Pourquoi? C'est la vie. Ben non, c'est pas ça la vie. T'aimes pas les mecs ou quoi? Si. Non, t'aimes pas les mecs, vas-y, affiche-la. Donc t'as pas de nouveau de mec? Est-ce que t'as un nouveau portable? Si, quand même. Non. Ah ouais. Il n'arrête pas de tomber, mais j'ai le même. Depuis que t'es star, est-ce que t'as dîné avec Al Pacino? Non, mais je rêve de ça. Ah ouais? Ah ouais? Ah ouais? Al Pacino. Ah, tu l'aimes, Al Pacino? J'adore, je le kiffe. C'est marrant. Ouais. J'adore. Ouais. Ouais. Tu veux pas lui dire un mot, là, parce qu'il regarde, tu sais. Ok, il y a une émission. Oui. Mais doucement, parce que je crois qu'il dort un peu. Mais c'est bien. Ouais, il dort plus, c'est bon. Tu l'as réveillé en sursaut.